Yahoo, c'est moi, et oui, je vous fais une vidéo. C'est suffisamment rare pour être souligné ces derniers temps. Une vidéo, pourquoi? Parce que je vends le petit MacBook, je vous ai fait l'article, au-dessus de toute vidéo vous avez du texte, en dessous vous avez du texte, blablabla. C'est juste pour vous montrer l'état général de ce petit MacBook. Il s'agit donc d'un MacBook Pro 13 pouces qui a été acheté le 1er juin, reçu, pardon, le 1er juin 2015. Donc la garantie part à partir du 1er juin 2015. Comme vous le voyez, ceux qui ne m'ont jamais acheté de produit, l'immense majorité des lecteurs donc, il est reconditionné tout beau, tout neuf, tout est emballé. Il y a juste évidemment la petite trace ici qui attestera qu'il a déjà été ouvert. Mais sinon c'est un ordinateur qui a 2 mois, il est donc encore garanti 1 an et 10 mois. Ça vous laisse le temps de voir venir. C'est un MacBook Pro 15 pouces d'entrée, de milieu de gamme, pardon. Quand vous allez sur la page Apple, c'est celui qui est pile au milieu. 256 Go de SSD. C'est un processeur dont je ne me souviens pas, mais c'est écrit sur la boîte normalement quelque part. Hop, non, c'est pas de ce côté. C'est peut-être de l'autre côté. Voilà. On va y arriver. C'est donc un processeur dual core i5 cadence à 2.7, 8 Go de RAM, 256 d'SSD, et puis voilà, de la Wi-Fi AC, tout ce qui va bien, tout ce qui va bien. Si je vous montre ceci, désolé, là ça a bougé quand même vachement pas mal, les micros sont dessus, c'est bon. C'est pour vous montrer donc dans quel état il est. Le truc n'a jamais été ouvert ici, il y a encore les petits stickers dedans. Ça, ça n'a même jamais été déballé, l'espèce de câble rallonge, puisque je ne me suis servi que de ça, et du MagSafe. Le MagSafe a été réemballé dans les petits plastiques d'origine, le cordon a été remballé dans le petit plastique d'origine. Il y a même la protection du MagSafe en plastique, les enfants. Vous me trouverez des gens qui emballent leur ordinateur de la même manière. Donc voilà, tout est beau là-dedans. Le MacBook est refermé et hop, je chasse l'air. Je ne le réouvrirai plus jusqu'au temps qu'il soit envoyé. J'ai même la boîte d'origine d'Apple avec les fixations à l'intérieur pour empêcher que le MacBook se balade dans un carton qui n'est pas adapté, etc. Cette machine vaut 1600 et quelques euros, pas loin des 1700 si je vous dis pas de bêtises. Si je vous dis pas de bêtises, ça serait bête que je vous dise des bêtises quand même. J'avais un petit claque, un petit raccourci ici. Elle vaut 1649 euros, comme vous le voyez, c'est donc celle-ci. Elle vaut 1649 euros, je m'en sépare pour 1400 euros, frais de port inclus en France métropolitaine, et éventuellement peut-être Belgique, Suisse, mais bon, vous n'avez pas les mêmes claviers les gars là-bas, donc ça va être compliqué. 1400 euros au lieu de 1649 euros, frais de port inclus, c'est important le frais de port inclus, puis j'avais dit 1370 euros sur Twitter, etc. 1400 tout rond, tout inclus, et puis voilà, et il peut partir demain si vous me payez en PayPal ce soir, ça serait oufissime. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et puis voilà, ouais, point, bisous, c'était Locan pour Locan.fr, tchou, tout ça, comme ça, on ne fait plus ça, c'est dépassé, les enfants.